Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Hey, bienvenue tout le monde, c'est EpicGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super, toujours la même intro les amis, j'ai un peu crié dans le micro je crois. Donc les amis, nous étions laissés tout simplement ici sur la map de Akamuna, et alors je vais vous montrer juste derrière, regardez, hop, le bel arbre, tout simplement avec notre petite maison, que je dois encore continuer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, et on va un peu parler des 15 000 abonnés, et un peu de tout, sur la chaîne, tout simplement, la reprise des vidéos, la rentrée, etc. Du coup, ça va être parti, et on va commencer par terminer la maison, tout simplement. Ok les amis, tout d'abord, j'ai la liste des objectifs supplémentaires que vous m'avez demandé. Par contre, je vais aller manger, sinon je vais crever, hein. Donc déjà, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait. Donc ça, on l'avait fait la dernière fois. J'ai pas trop changé, j'ai juste placé quelques blocs, je crois. Puis, on peut monter encore ici à l'étage, tout simplement. Ici, on avait mis les coffres, j'ai un peu agrandi, j'ai mis des blocs pour éviter de tomber, tout simplement, voilà. Après, ensuite, on fera avec des vitres, on mettra des vitres. Du coup, je vais juste prendre mon épée. Voilà, on va prendre les pastèques. Et c'est bon. Non, on a vraiment pas mal de trucs. On va prendre quelques carottes. Ouais, comme ceci. Pour descendre en bas, j'ai pas de bois pour mettre les objectifs, mais je pense qu'il y avait des panneaux. Je vais aller voir. En tout cas, vous m'avez dit pas mal d'objectifs dans les commentaires. Du coup, c'est ce qu'on va aller faire. J'espère qu'il y a des panneaux pour aller remplir tout ça. Du coup, c'est toujours au même endroit. On passe par ici pour aller à la salle aux objectifs. Je pense que je suis un peu près du micro là, je ne sais pas. Hop, voilà. Salle aux objectifs, voilà. Nous y sommes. Alors là, on retourne sur l'île. Et là, on a des panneaux. Okay, nous n'avons pas de panneaux en plus pour pouvoir rajouter des objectifs. En tout cas, je vais vous dire les objectifs qu'il y a. Donc, il y a 3 fois 64 stacks de bois. Donc, je ne sais pas si c'est un bois comme ça. Donc, ce sera du bois. Soit on prendra des bûches, 360, enfin, un stack de 3 stacks, pardon, de bûches comme ça. Ou soit 3 stacks de planches. Dites-moi ça dans les commentaires. Soit de planches, soit de bûches. Pêcher 10 poissons, manger donc les cuire et les manger. Donc, ça sera l'objectif qui sera aussi important. Donc, faire une canne à pêche, etc. Donc on a ensuite après faire un bateau pour reprendre l'aventure, ça tout simplement j'y avais pensé déjà, mais vous avez mis ça dans les commentaires donc c'est plutôt pas mal, et aller dans le nether, trouver une forteresse etc dans le nether, donc ça on fera, ok, nous sommes téléportés ici, et donc voilà, en tout cas aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à la maison, on va terminer la maison, on va faire des étages, on va faire une espèce d'hôtel avec... Avec ça, tout simplement, on va essayer de faire un beau petit truc. Donc voilà, en tout cas, moi je prends le matériel nécessaire, le bois, etc. Et je vous retrouve juste après. Donc, à tout. Bon, alors les amis, pendant que je coupe du bois, je vais un peu vous parler tranquillement. Hein. On va parler tout simplement des 15 000 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Tout simplement, je vais pas vous faire de vidéo pour chaque palier d'abonnés qu'on va passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les 20 000, il y aura vraiment une bonne grosse vidéo avec un récapitulatif. Ok, je ne sais plus parler. Donc je disais, pour les 20 000, il y aura une grosse vidéo récapitulative sur tous les éléments qu'il y a eu sur la chaîne. Toutes les vidéos, toutes les intros, tout ce qu'on a fait ensemble sur cette chaîne, tout simplement. Donc voilà, donc ça ce sera pour les 20 000 abonnés. Parce que je ne vais pas tout le temps vous faire des vidéos pour chaque palier passé. Ça va très vite vous saouler et ça va faire en mode... Enfin voilà, c'est pas très intéressant. En tout cas, voilà, donc je suis assez content d'avoir les 15 000 abonnés vu que ça fait... Maintenant 3-4 ans que je suis sur la chaîne YouTube, et avoir 15 000 abonnés c'est vraiment vraiment stylé. Déjà les 10 000 c'était vraiment incroyable, et là 15 000, il reste plus que 5 000 pour arriver aux 20 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour partager à fond cette chaîne, pour partager les vidéos si vous aimez. N'hésitez pas à liker, comme ça plus de personnes me voient. Maintenant avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment sur YouTube, ça devient un peu chaud. Vous avez vu le changement d'algorithme, les youtubeurs qui ne sont plus payés. En tout cas, c'est pas trop mon cas, vu que c'est pas comme si la chaîne rapportait des centaines d'euros. Mais je veux dire, voilà, c'est pas trop grave, hein, pour le moment, le sous, enfin, en fait, on s'en fout de la YouTube monnaie pour le moment. Mais juste partager la chaîne pour grimper en abonnés, pour... Voilà, pour être plus connu, hein, pour avoir plus de retours, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de likes, plus de retours dans les commentaires.
quand je sors une vidéo que vous aimez, que vous me conseillez des trucs, etc. Donc c'est toujours sympa. Donc je compte sur vous pour partager les vidéos, les tutos, etc. Pour partager la chaîne, pour toujours me suivre sur Twitter parce que hop, là j'annonce pas mal de trucs. Je suis moins actif qu'avant, mais bon, quand il y a une vidéo, à chaque fois je vous propose. Je vous mets des sondages si jamais vous voulez des tutoriels et tout. Vous pouvez participer là-bas vu que sur YouTube c'est très ennuyant de faire une vidéo juste pour ça. Donc voilà, donc là vous pouvez aller sur Twitter pour participer si jamais vous voulez une certaine série, etc. Des tutoriels ou quoi. Parfois je vous demande entre quelle série vous voulez que je tourne pour avoir un épisode plus tôt, etc. Donc vous voyez, c'est très participatif, donc je vous fais participer un peu. Donc c'est sur Twitter parce que sur YouTube je vais pas faire des vidéos à chaque fois pour ça et mettre des sondages sur les côtés avec les fiches là. Mais bon voilà, donc comme ça, si jamais, de toute façon mon Twitter s'est affiché à l'écran, il est dans la description, n'hésitez pas à toujours lire la description, ça fait toujours plaisir. Il y a toutes les infos que vous cherchez, parce que parfois je vois des questions dans les commentaires qui me demandent avec quel logiciel je filme, avec quel appareil je filme, etc. Mais alors que tout est dans les commentaires, enfin que tout est dans la description, pardon. Et voilà, que si jamais parfois vous me cherchez sur un réseau social, et bien tout est dans la description, Facebook, Twitter, etc. Donc voilà. C'est pour ça que c'est très important. Et donc je compte sur vous pour au moins lâcher 100 likes à cette vidéo, ou même plus, 150 likes, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, si jamais vous êtes toujours nombreux à regarder la série, vu que le premier épisode a fait 2000 vues, c'est à chaque fois comme ça pour une nouvelle série. Et puis les autres épisodes font moins de vues, tout simplement parce que y en a qui n'aiment pas trop, et tout. Donc, mais bon, ça peut être toujours intéressant de regarder la série, vu que maintenant on va parler. J'ai envie de diversifier un peu plus, faire un peu plus du contenu assez cool, on va dire. Du contenu un peu plus rythmé, où il y a plus de paroles, où on peut mettre de la musique en fond, où c'est très di dynamique, avec des bons montages. J'essaie de faire ça, vu que maintenant j'ai le PC pour tout simplement améliorer le montage. Et il va moins laguer, donc les plus gros montages pourraient les faire plus rapidement, etc. Donc il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, en tout cas, les amis, je termine juste de couper le bois et on se retrouve là-bas pour notre petite maison. Donc à tout de suite. Donc les amis, j'ai pas coupé plus de bois, je suis juste revenu parce que je pense que l'épisode va être très long si on doit encore continuer à construire cette maison et à couper du bois, ça va être très long à la fin. Du coup, je suis rentré et regardez ce que je vois, juste une vache là, on va juste la tuer pour pouvoir récolter de la viande, voilà, comme ça. Notre vie descend moins vite. J'avais déjà fait un four, il manquait plus que le charbon. Il faut dans d'autres épisodes on ira miner si jamais vous voulez, sinon je ferai ça hors caméra tout simplement. Là il y a un four, ok. On va mettre de steak. Hop, j'avais juste un charbon. Normalement on peut faire des enclos aussi. Ça on fera dans le prochain épisode. Moi je dis on fait les enclos et voilà, on fera les enclos juste dans le prochain épisode. On fera un zoo. Voilà, on fera un zoo. Hop, hop, on va juste agrandir ici. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça sera un étage en plus. Hop. On va faire ça. Comme ceci. Ici. Et si ça continuera, pour le moment, on va bloquer comme ça. On va manger toutes les carottes. On va quand même en garder. On va quand même garder les carottes, on va manger les pastèques vu que maintenant on a les pastèques. Et ici on a ça. On va essayer de mettre du bois, par exemple, à cuire avant que ça continue de. Ça se termine. Et du coup, je vais vous montrer à l'étage ce que j'ai déjà fait. Si je monte, regardez les amis ce qu'il y a. Il y a un lit qu'on avait récupéré et. Pendant que j'ai posé le lit, je crois que j'en ai eu deux. Il y a eu un bug, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais en tout cas, j'ai eu deux lits, il s'est dupliqué. Donc ça c'est vraiment bizarre. En tout cas j'ai posé le lit, j'ai essayé de faire tout ça, j'ai essayé d'avoir du charbon et tout le charbon je l'ai eu hors caméra vu que j'ai dû faire chauffer pour avoir les vitres. Tout simplement j'ai été pris prendre du sable là-bas au bout. Je sais pas si ça se voit, je vais vous montrer après. Et du coup c'est pour ça que j'ai du sable en bas là dans mon coffre. Et donc j'ai fait cet étage là avec une vue magnifique. On mettra un pilier pour pouvoir monter et on mettra des barrières au-dessus. Et voilà, donc on verra ce qu'on va faire par la suite. En tout cas, voilà, c'est déjà bien. Moi, je trouve, là, vous avez des échelles pour descendre. On doit encore mettre les vitres ici et faire un autre étage. Vous voyez, j'ai été prendre du. Hop, vous voyez que c'est très carré là-bas, etc. J'ai été prendre aussi du sable à peu près ici.
Hop, j'étais replanté les cannes à sucre et tout. Vous voyez que c'est très carré. Donc voilà. En tout cas, hop, on va récupérer le charcoal qu'on a eu. Et vous voyez que j'ai pas mal de choses. Donc du coup, si on doit faire l'objectif de valider les 3 stacks, c'est déjà fait. Voilà, on a l'objectif de valider les 3 stacks, c'est fait. Du coup, ici, vu que on doit mettre des vitres, on va faire ça. Hop, donc ma hache aussi est bientôt morte. Bon. Hop, hop, hop. Ok les amis, j'ai terminé le contour. On n'a plus qu'à mettre le sable que j'ai ici. J'avais déjà 3 verres encore. Le sable pour... Ah non, non, ça tu viens ici. Pour faire des vitres, tout simplement. On a le charbon maintenant. On va mettre la moitié. On va mettre un charbon. On va attendre que ça cuit. Et nous, on va commencer à placer nos vitres. Ça, on va enlever pour la vue, voilà. Et donc là, on aura une petite belle vue. Donc là, ce sera la salle avec à peu près tout ce qu'il y a dans les coffres, etc. Tout ça, on mettra les coffres ici. En haut, j'ai mis juste un coffre pour décorer. Normalement, regardez, normalement, j'ai un lit encore. Ça a bugué. On avait eu les 5 diamants au tout début. On a encore les œufs et tout. Donc ça n'a pas vraiment changé. Nous avons toujours la carte ici. Hop. La carte, je ne sais pas si on peut aller là-bas, en fait. Voilà, je ne sais pas si on peut aller là-bas. En tout cas, les amis, j'ai une idée à faire pour vous, tout simplement, si vous voulez participer un peu à la chaîne. Je voudrais, pardon, que vous me fassiez des YouTube poops avec toutes les parties de mes vidéos où genre j'ai foiré, où genre je dis n'importe quoi, etc. Et que je les publie sur ma chaîne. Il y aura une petite pub pour votre chaîne, etc. Mais ça pourrait être sympa toutes les semaines avoir un petit YouTube poop. Pour ceux qui sont là, qui restent jusqu'ici au temps de la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire. Les envoyez-moi sur Twitter. De toute façon, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Le lien est en description. Je vous affiche encore le Twitter sur l'écran. Envoyez-les-moi sur Twitter. C'est vraiment sympa si on peut faire ça. Et que chaque semaine, il y a un YouTube poop à vous. Donc, pour ceux qui sont restés là, jusqu'à ce moment-là sur la vidéo, bah, vous êtes avantagés. Parce que je ne ferai plus. Je ferai pas de vidéo pour vous expliquer ce concept, c'est juste une idée que je lance maintenant que je viens de trouver. Donc voilà, donc faites juste ça et on verra. Après, je ferai peut-être une vidéo si jamais plein de monde m'en fait tout simplement. Et comme ça vous fait un peu de pub pour votre chaîne et ça sera plutôt pas mal. Ça va nous faire marrer quoi pour passer du temps agréable sur cette chaîne et pas rester toujours sur la même chose, des séries MCPE, etc. Donc voilà, je compte sur vous pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo de m'en faire. Hop, ça serait plutôt pas mal. Alors, je vais continuer le toit. Voilà. Donc le toit, ce sera plutôt facile. Hop, je ne sais pas si ça lag en fait, parce que parfois j'ai l'impression de laguer, mais en fait, non. J'espère que non. Mais en tout cas. Hop, parce que j'ai quand même mis les graphismes à fond, pour ceux qui veulent savoir. J'ai tout mis à fond, vu que le PC me le permet maintenant. Donc, pour ceux qui me demandaient aussi, j'ai vu dans les commentaires, j'ai un PC, hop, Acer, avec la carte graphique GTX 950M et un Intel Core i7, de dernière génération de i7. Donc, voilà. Oh, ok, j'ai gâché un verre pour rien, non, on va le laisser. Si on a du fer. On n'a pas de fer. Non. Ok, non, bon, le verre. Hop. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je demande du fer alors que ça sert à rien? Ok. C'est pas grave. Hop. Bon. Ensuite, nous avons encore le sol à faire. Ouh, j'ai failli tomber. Hop. Voilà. Vous avez vu la bêta de MCPE sortie, si jamais. Je sais pas si vous avez vu ça. Hop, il y a toujours ce bug sur MCPE où ça casse tout seul, vous voyez, c'est bizarre. Je ne sais pas si ils ont réglé ce bug-là depuis des années qu'il y a ça. Hop. Non. Ok. Ok. Voilà. Ok, les amis. Vous voyez ce qui vient de se passer? Je suis tombé. Hein? À cause de feuilles qui cassent tout seul et qui me font tomber. Donc ça, c'est un peu bizarre comme truc dans MCPE. Je ne savais pas qu'il y avait encore ça. En tout cas, ça fait très mal, j'ai cru que j'allais mourir, mais en fait non, on n'est pas mort. Hop. Ah voilà. Je voulais juste regarder si en dessous de la table de craft c'était fait, et la feuille qui était là, vu que ça se casse vite, ben, je suis tombé, tout simplement. Donc voilà, donc l'étage ici, il est presque terminé, il ne manque plus que ça. Mais ça, on fera dans une prochaine vidéo. On va juste peut-être terminer là, vu que c'est très très moche comme ça. Alors attendez. On va remettre ça, et ça. On va prendre le bois. Pour le moment, on va fermer comme ça, brut. Et ça, on va mettre ça
comme ça. Voilà. Pour le moment, on va faire comme ça. Voilà, c'est fermé. Pour le moment, là, ce sera. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Cette partie-là, on peut détruire ça. Voilà. Pour récupérer quand même du bois. Et monter ici un étage. Là, on va mettre ceci. Là, c'est les escaliers pour l'autre côté. Ça, on peut enlever. Ok, j'ai plus de. Plus de hache. Alors. Qu'est-ce qu'on. Ici, on va faire ça comme ça. Voilà. Et ici, on peut enlever, mais j'ai quand même plus de hache. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera ça dans l'épisode prochain. Vu que là, on a fait déjà pas mal. Et donc, voilà, en tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. On a déjà pas mal avancé. On peut casser ça quand même. Voilà, hop. Allez. Voilà. On a déjà pas mal avancé. Ça, on fera la prochaine fois. On va essayer de d'améliorer. La prochaine fois, on fera le zoo. On commencera le zoo. Le zoo, hein. Vous appelez ça comme vous voulez, mais moi, on va appeler ça le zoo, vu qu'on a quand même pas mal d'animaux. On a des cochons, des moutons, des poulets et des vaches. Bon, dans un zoo, y a pas tout ça, mais bon. Voilà. En tout cas, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. C'était HypoGamer172. Portez-vous bien. J'ai toujours cette tenue assez sexy, hein. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était HypoGamer172. Allez, bye tout le monde. Ciao. Do 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 do